Le président du Sporting Club de Gagnoa, Issouf Diabaté, a présenté, ce mardi 26 avril 2022, ses excuses aux populations de la ville après avoir voté contre Didier Drogheba, candidat à l'élection de la FIF. Pour avoir voté contre Didier Drogheba et choisi le candidat Yacine Idriss Diallo, lors de l'Assemblée Générale élective du président de la Fédération Ivoirienne de Football, FIF, le président du Conseil d'administration du Sporting Club de Gagnoa, Issouf Diabaté, a eu une réunion d'explication, ce mardi 26 avril 2022, avec les supporters de son club, à la mairie de la ville. Selon le confrère L'AIP, il a présenté ses excuses aux populations de Gagnoa pour n'avoir pas soutenu le candidat Didier Drogheba, qui était le choix des populations locales. Drogheba était le meilleur choix, pour les jeunes, pour les sportifs, pour les joueurs, pour les dirigeants, mais... Le confrère rapporte que, pour le président Diabaté, Didier Drogheba était le meilleur choix, pour les jeunes, pour les sportifs, pour les joueurs, pour les dirigeants, mais il y avait déjà deux grands blocs en place, à savoir les Prosori Diabaté, pour l'équipe sortante et des Pro Idriss Diallo, pour le GX. Il a rappelé, avoir accordé le 8 septembre 2020, son parrainage au candidat Didier Drogheba, et reconnaît l'avoir lâché au moment où ce dernier ne donnait plus de nouvelles ni au téléphone, ni par son staff jusqu'en février 2022. J'ai été obligé de lui dire, capitaine, je pensais que vous n'étiez plus intéressé, a-t-il avoué. Lire aussi élection FIF, pourquoi Didier Drogheba a perdu à Yamoussoukro joint au téléphone dans la soirée, Issouf Diabaté a laissé entendre que les supporters étaient un peu énervés. Ils ont demandé pourquoi on n'a pas choisi Drogheba et je leur ai donné les raisons. Puisqu'il est venu trouver deux équipes, deux blocs, note de la rédaction, et puis, il est venu en tant que quelqu'un qui n'avait pas une base. Malheureusement, l'approche a été fausse, a-t-il justifié. Les parkings étaient partagés entre le GX et les Prosori poursuivants, il a rappelé que, il y avait déjà le GX de l'autre côté et puis il y avait les Prosori. Il fallait recruter des deux côtés. Ce qui n'a pas été bien fait. Même si je suivais Drogheba, il ne pouvait pas gagner alors que nous, dans notre entendement, il devait avoir le changement. Moi, j'étais GX avec Malik, Malik Toé, note de la rédaction, et puis après, on est allé avec Idriss qui est venu au GX, a-t-il poursuivi. Je me suis laissé draguer par Idriss qui m'a convaincu, à l'en croire, l'approche a été difficile avec Drogheba. Et puis, je n'arrivais pas à le joindre depuis septembre 2020. En décembre, il m'a envoyé un message. Après, je n'arrivais pas à le joindre aussi. Je me suis dit qu'il n'était plus intéressé. Voilà pourquoi je me suis laissé draguer par Idriss qui m'a convaincu, a-t-il souligné. Lire aussi élection FIF, la défaite de Didier Drogheba glace des éléments des forces de l'ordre et la ville de Yamoussoukro selon lui, il y a beaucoup de choses qui ont manqué. Je me suis dit quelque part que c'est Dieu qui a dit que ce n'était pas le moment pour lui. Il faut que les supporters arrêtent de nous insulter, a-t-il plaidé. Sauf autorisation de la rédaction ou partenariat préétabli, la reprise des articles de l'infodrome.com, même partielle, est strictement interdite. Tout contrevenant s'expose à des poursuites.